Salut à tous. Salut. Bienvenue sur Body Time. Un nouvel exercice expliqué, détaillé. Oiseau. Donc, on va travailler le haut du dos. Alexandre va vous montrer. Voilà. Tout ce qui va être. Voilà, toute la partie haut du dos. On va pas trop rentrer dans les détails, mais vraiment, voilà, la grosse partie est légèrement le bas du dos. Pour ça, on s'allonge à plat ventre. Voilà. Premier niveau, vous allez tendre les bras sur les côtés. Coup de fléchis à 90 degrés. Voilà. Et vous allez faire des petits battements pour chercher à resserrer vos deux omoplates. Vous avez les deux omoplates en haut du dos qui doivent se resserrer pour venir au niveau de la colonne. Si voilà, je mets les doigts, ils doivent chercher à resserrer, à toucher mes doigts. Deuxième niveau, la même chose, bras tendus. Et la même chose, voilà, des petits battements. Ce qui compte, c'est pas forcément d'aller très vite, mais de bien sentir la contraction du haut du dos. Troisième niveau, on décolle ses jambes. Donc ni les pieds, ni les genoux touchent. Voilà. Là, on rajoute donc le travail du bas du dos, les lombaires, et toujours le haut du dos. Le rhomboïde, également un petit peu les fessiers. Voilà. Pour aller un petit peu plus loin, gardez les jambes bien le plus haut possible, en statique. Et on accélère un petit peu les bras, mais bien toujours en gardant la contraction. Voilà, parfait. Voilà, donc là on a travaillé tout l'accent postérieur, le haut du dos et le bas du dos. Bien souffler, relâcher. Voilà. Sur cet exercice, on fait juste attention de ne pas accentuer sur le mouvement. La courbure du dos, de ne pas y aller trop vite, vraiment de contrôler le mouvement, voilà. Musculaire. C'est ça, ce que je voulais rajouter, c'est ne pas mettre d'à-coup dans l'exécution du mouvement, d'accord. Ne pas travailler ça en puissance ni en vitesse, mais plutôt dans le contrôle de l'exécution du mouvement. Parfait. C'est tout bon, c'est bon pour aujourd'hui. Allez, on se dit à très vite. Un nouvel entraînement avec un nouvel exercice. Et surtout d'ici là, gardez la pêche.